Hello, c'est Jean Giraud et nous tournons pour nous capables de continuer avec cours pour débutants, HTML pour débutants côté et monde qui fait commencer dans la programmation web et ou bien l'autre programmation mobile parce qu'on a ou qu'à utiliser HTML dans la programmation mobile tout si vous créez une application mobile hybride. Donc, une des premières technologies pour apprendre c'est HTML. Ok, normalement HTML pas programmation, mais HTML son langage markup, donc son langage template qui est écrit template et le après interface. Donc c'est une première bagaille que ou doit apprendre c'est HTML. Donc je dis à continuer et avec série A. Donc je dis à nous pas l'apprendre, je dis à nous pas l'apprendre et qui ça qui en liste, qui ça qui liste, ok. Je dis à nous pas apprendre ça ou les liste en créole c'est list, ok. Donc nous allons apprendre trois types de listes. Je dis à nous gain dans HTML nous gain liste non ordonnée, nous gain liste ordonnée, nous gain liste définition. Là moi gain Microsoft Word qui ouvert devant là. Je suis sûr que ou même qui a suivi vidéo ça ou qu'on utilise Microsoft Word déjà, donc ou qu'on est que dans Microsoft Word ou qu'a créé différentes listes pour capable login plusieurs bagages que vous voulez lister ou capable créer différentes listes. Donc ou gain liste non ordonnée, non ordonnée a veut dire que liste là li pas gain chiffre là-dedans, ok. Donc li pas gain chiffre là-dedans, donc comme si audio ou juste mettre audio mais ça va mais yon pas et comme des cas là yon pas ordonné par un soit ça de premier, ça de dernier, ça devenir deuxième base, ou malgré ou gain plusieurs, mais c'est comme si au-delà pas vraiment important. Donc c'est comme ça moi et me déga définir les non ordonné. OK, donc on pas besoin chiffre là-dedans ou on pas besoin de couleur la petite Microsoft Word pour ou gain différentes façons pour capable et design et les yo ou ka utiliser chiffre, capable utiliser lettre, ou capable utiliser et chiffre mais on bon l'autre caractère. Donc et c'est ça, donc pas oublier ça c'est Microsoft Word. Donc moi mettez et texte ça là dedans pour nous capable boire, pour capable boire qui ça nous bral, comment nous bral ka écrit liste même j'en wali dans Microsoft Word là pour nous écrire pour lui paraître sous et navigateur noir, ok. Donc et avec premier bagage que nous allons commencer avec liste non ordonnée. Donc nous voulons créer une liste et puis après ça pour nous mettre 5 éléments. Nous avons créé une liste non ordonnée, donc et pour nous mettre et 4 éléments. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Pour mettre 4 éléments là-dedans, ok, et pour nous capable afficher sur page HTML. Après ça, nous allons faire une autre vidéo parce que nous avons essayé de faire une vidéo courte. Donc après ça nous allons dans l'autre vidéo côté nous allons expliquer comment pour créer liste ordonnée qui a des chiffres là-dedans, ok, premier, deuxième, troisième, quatrième. Et puis après ça dans l'autre vidéo après ça et nous allons gagner liste définition côté nous allons expliquer qui ça liste définition et côté nous allons gagner terme et puis nous allons gagner définition, ok. Donc on allie et moi j'ai un Sublime, texte qui ouvre là. Nous avons un folder et nous avons un folder nous là qui c'est liste. Donc ça n'a créé un nouveau fichier. N'a créé un nouveau HTML, n'a pris les liste. OK, n'a pris les liste non ordonnée, pas oublier non fichier HTML, il y a pas de espace. Non fichier HTML, il y a pas de espace et nous et yo pas de espace si ou a utiliser plusieurs mots pour capable bail et fichier à nom, donc mieux vaut séparer avec tiret, ok. Donc il pas conseillé pour mettre espace dans nom, ok. Donc on mettre liste tiret nom tiret ordonné et puis sans accent parce qu'on pas de utiliser aucun caractère spécial là-dedans. Donc c'est pour ça moi gagne liste non ordonnée .html. M'a fait enter pour capable créer, pour capable créer fichier ça, ok.
Donc, qu'on a, on va utiliser même dans l'autre vidéo, on va utiliser et utiliser template et HTML que m'gain en Sublime Text. M'a choisi HTML parce que c'est créole n'a écrit. Pour titre là, bon bay ça zoom. Bon zoomer et pour titre là, n'a bal titre n'a relé les listes non ordonné. OK. Et puis n'a retiré bal script ça parce que nous beaucoup nous pas dans JavaScript là. Nous pas dans aucun autre script, nous seulement avec HTML. OK, dans body nous on connait là, pas oublier que pour nous utiliser police non ordonné à nous pas l'utiliser. On balise HTML, on balise et bloc qui relé UL. UL là lui-même, UL là veut dire on ordered list. C'est mot anglais qui veut dire on ordered list. Qu'on capable traduire par liste non ordonnée ou bien créole liste non ordonnée. OK. Donc pour capable créer bon tout profiter mettre ça non balise par exemple m'a bal H1, pas oublier que si nous ne comprenons pas et balise de titre, nous allons l'autre vidéo que nous avons déjà pour nous apprendre comment pour nous créer et balise pour titre qui commence de H1 à H6. Ok, pour capable rafraîchir mémoire. Nous allons créer, nous allons utiliser balise UL là, signe inférieur UL et bien fermé. Donc moi créer balise UL là qu'on a under balise UL là qu'on a mal mettre liste yo. Donc pour créer liste yo under dans HTML là on a besoin balise qui li li comme ça li et puis on ferme. Donc là on gon premier liste. Donc qu'on a IL forme dire que IL veut dire IL veut dire et li pas IL li veut dire list item. Ça veut dire grain ou grain list list item. Donc on dit ou gain liste là ou gain liste qui c'est UL là liste non ordonnée là et bien dedans ou gain LI qui c'est list item qui c'est un grain list en dedans un grain bagaille en dedans liste là. Donc on a pas oublier que si nous tourner dans Microsoft Word là nous voulons ajouter premier donc m'a copier m'a bin dans mi temps balise là nan mi te balise li pa bliye ke m fermel et m ap coller premier. OK, m ap coller premier. Donc on a m ap créer m ap juste ajouter et m ap juste ajouter texte ça là deuxième créer liste et bon juste faire la à main là. OK, deuxième OK troisième. OK, liste 4e. Pas oublier que m'a utiliser Sublime. Sublime li permet moi écrire HTML plus rapide et donc n'a pas que m'a mettre LI et puis tout bonne possibilité pour me peser enter pour capable tout écrire et baliser pour moi. Donc c'est avantage gain le utiliser un éditeur de texte qui plus ou moins avancé comme ce qui fait pour technologie a. Et Sublime Text son éditeur de texte qui supporte HTML. Il supporte un bon langage, n'a pas CSS et mettre JavaScript, un bon lot bah qui bien avancé que le supporter. Et si vous besoin plus d'informations sur éditeur de texte et pour écrire HTML, regardez première vidéo non et playlist là pour vidéo côté que m'a montré qui navigateur on va utiliser qui technologie qui éditeur tout bas ça. Donc n'a pas continuer écrit et liste noir 3e 4e. OK. On dit que nous on dit là nous fini écrit une liste non ordonnée. Pas oublier que ou gain liste non ordonnée, ou gain liste non ordonnée c'est UL qui pour les veut dire unordered list. Et pour gain chaque grain bagarre dans liste là c'est liste item que utiliser balise li pour capable écrire. Kounya comme nous fin créer page on là mais ça nous pas le faire. Nous pas regarder dans navigateur là. Nous pas regarder dans navigateur nous. Je dis on a utiliser Firefox
pour nous capable voir comment page là à pied. Donc on va aller dans file open ou bien ouais me file open ou même si navigateur là en français on va aller dans fichier ouvrir. OK, moi on va aller dans file, m'a fait open file et bien après ça on va regarder qui côté moi gagne. Et bien on va aller sur m'aller dans folder côté moi gagne couro HTML pour débutant fichier list. OK. Moi ouvrir page moi. OK, et gomba moi par là bon moi c'est HTML ça, sauvegarder, il va me rafraîchir. OK, donc là nous ka wè que nous gon list nou donné qui paraît dans navigateur nous. On pas oublier que nous on te code HTML. Nous écrit code ça là. Nous on gagne titre nous gros titre H1 nous gon l'autre titre qui plus petit qui c'est H2 que navigateur lui-même li by style automatiquement parce que nous automatiquement parce que nous pas écrit CSS donc et navigateur même vient avec style CSS par défaut pour tout élément HTML yo mais nous même ça nous pas connait CSS parce que c'est HTML là pas prendre connait donc n'a pas que liste nous apparaît dans navigateur nous gagne liste nous ordonné nous donc nous gagne premier deuxième troisième quatrième n'a pas que navigateur mette un point n'a pas que navigateur mette un point bon côté donc il va mettre chiffre bon côté. OK, donc il y a possibilité le n'a créer liste pour capable choisir tout qui ça nous voulait paraître sur bord gauche là mais ça m'a quitter nous à faire recherche pour capable garder comment nous capable et comment nous capable gérer ça surtout dans HTML parce que surtout dans CSS parce que c'est pas dans HTML le plus simple pas vraiment gain et dans HTML pas vraiment gain et flexibilité pour capable et faire tout bas ça comme si pour faire le bel pour ajouter l'autre point. OK, mais dans coup CSS n'a gain pour nous faire après quoi HTML pour débutant qui c'est qui a pour CSS pour débutant donc n'a pas plus et n'a gain plus détails sur ba ça. Kounia là, donc nous créer une liste non ordonnée. Kounia n'a tourner sur Sublime Text. Kounia mais ça nous va le faire. Nous va m'a copier tout par ça. OK, et bien après ça moi va créer une nouvelle page. M'a créer une nouvelle page, là une nouvelle page, m'a créer un nouveau fichier, m'a prendre les listes ordonnée.html et puis m'a coller et tout code m'sot prendre en premier et dans page liste non ordonnée et puis m'a coller m'a seulement changer nom dégain liste non ordonnée qu'on m'a ajouter liste ordonnée et puis m'a changer qu'on y amener pour créer liste ordonnée ou utiliser balise OL là lui-même balise OL là li vle di ordered list ça veut dire liste ordonnée et en balise OL là qu'on a qui sont balise bloc en dedans on gagne un bon le balise LI pour chaque bagaille que on a besoin là-dedans. Donc si on regarde dans document Microsoft Word nous là nous gagne liste ordonnée et puis nous gagne premier deuxième troisième quatrième yo tout commencer par chiffre donc on a nous pas besoin d'aller créer liste encore parce que c'est même valeur que là dedans. N'a pas ni changer UL là en OL. Mais si nous pas gagner gain nous t'a obligé écrire par exemple, nous t'a obligé écrire tout et d'allouer écrire toute liste. Pas besoin occuper de et nouveau ba me faire là qui c'est pour m'écrire HTML le plus rapide, c'est non bagaille qui les émettre donc si ça intéresse on va toujours aller apprendre émettre ou va toujours aller ou taper sur Google pour émettre pour capable utiliser dans Sublime Text ou bien n'importe l'autre éditeur texte. OK, et ben nous on nous gagne OL qu'on a n'a regarder page là. OK, et puis après ça nous va aller dans Firefox, nous va le faire file open. OK, qu'on a nous va ouvrir fichier liste, nous va ouvrir fichier liste ordonnée nous on a faire open et puis après ça n'a pour nous gain là nous garder dans liste nous n'a pour nous gain chiffre 1 2 3 4 qui paraît automatiquement et qui ordonner liste nous pour nous. OK, donc et
comme te dit n'a fait vidéo à côté, nous te dit n'a fait vidéo à côté, mais comme et nous aller rapide, donc n'a fait tout les shows, les non ordonnées, les ordonnées, les définitions en seule vidéo ça. Donc dans une prochaine vidéo, n'a ouais on l'autre bagaille. Ok, donc n'a pas que nous gagnons dans les ordonnées, nous gagnons 1, 2, 3, 4 qui devant automatiquement. Maintenant, quand nous n'avons pas écrit aucun chiffre, nous seulement dit que nous besoin de liste ordonnée, donc mettez OL et puis Andel nous mettez liste nous. Nous pas écrit chiffre là de nous dit là. Nous on dit mettez O et puis navigateur allume automatiquement et ajoute chiffre pour nous là-dedans. Ok? Ok, quand là nous ouais et comment pour créer une liste ordonnée. Ok, quand ça nous va le faire, m'a copié valeur page ça encore, m'a créé un nouveau fichier pour liste définition de liste définition.html. m'a collé on dit liste définition normalement qu'on a pour liste définition nous on a utilisé balise DL la vle di definition list DL la vle di definition c'est definition list ou bien en français liste de définition ou bien en créole liste définition et qui va toujours mais ou pas pour connait ou pas pas utiliser pour liste définition ou va utiliser balise li la donne donc ça utiliser pour liste définition ou utiliser deux bagages parce que liste définition là utiliser liste définition ou besoin de bagages ou besoin terme ou définir et vous besoin définition pour définition donc pour, ça veut dire ou besoin pour terme là on utiliser balise dt qui c'est definition term ou qui c'est definition term qu'on a utilisé on l'autre balise encore donc c'est ouais m'ajouter h et h3 qu'on a pour nous capable utiliser juste pour montrer nous comment nous ca utiliser et différents balises qu'on t'a apprendre dans vidéo avant ou, pour nous juste écrire html pour nous ca faire page nous gain plus contenu là-dedans donc nous gain dd c'est n'a utilisé c'est definition OK donc nous gain pour nous ca gain liste sinal dans document word non là n'a pas liste définition encore on crée liste définition par exemple moi gagne maman monde qui était pour sous terre papa monde qui était metto dans maman là n'a pas que maman c'est terme là monde qui était pour sous terre lui-même c'est définition qu'on y a là comment pour connait nous ca reproduire liste ça dans html n'a effacer liste ol là de qu'on y a n'a gagne n'a bien balise DL que n'a fait même et bien nous parlons de balise DL là qui sont balises bloc et n'a pas ajouté qu'on a pour chaque terme que nous besoin définir n'a pas ajouté terme là et puis tout de suite après n'a pas ajouté définition et ainsi de suite nous ajoutons terme nous ajouté définition donc qu'on a si me dit m'a reproduire même liste ça m'a copier maman. Et puis après ça m'a créé un nouveau balise qui c'est DT et puis under balise DTA et pas DT under balise DTA m'a ajouté maman et puis tout de suite après m'a créé définition ça là tout de suite après moi pas créer un balise qui est DD DDA le plaisir bébé et DDA lui-même c'est DDA c'est définition. Par exemple, voilà, nous gagnons maman, monde qui était pour sous terre. Donc, bon, sauf regarder les puis on a laissé pour nous qui ça la balle. Ok, nous allons aller dans Firefox, nous allons aller dans faire file open pour aller ouvrir nouveau page HTML ça. On a ouvrir liste définition. Nous gagnons voir que premièrement nous gagnons 3 et balise nous H1 H2 H3 et après ça nous gagnons une liste définition nous qui commence là n'a pas que m'a dit nous seulement ajouter et definition liste nous là liste définition nous balise DL là et puis après ça nous ajouter balise DT et après nous ajouter définition
navigateur li menm par defaut li tou bay style pou nou. Nou gen maman, et puis après ça nous jwenn définition en bas. Donc nous va continuer à ajouter, n'a mete papa. Donc kounya pour papa, n'a seulement ajouter un nouveau balise d'été. Et puis n'a fermé la mettant nous ajouter papa. OK. Après ça on va ajouter une balise DD. Et après ça pour nous faire une définition pour papa. Nous va aller dans mettant. OK. Ainsi de suite. Frère. OK. C'est OK. Et puis dernière définition là, on apprend. Et puis après ça, on a collé là. OK. Qu'on a m'a fait et command S ou bien control S sur Windows bien Linux. Comme sur Mac là, on juste fait control S pour me capable sur regarder le bon café file et puis save has to bien save, ça va dépendre. OK. Et puis on a regardé. Nous va aller sur Firefox là, on a juste rafraîchi page là. Et puis on a pour tout reste liste là monter. Les définitions nous en monté là, nous gain maman, monde qui était pour sous terre, papa, monde qui était maintenant avec maman, frère, petit garçon maman, papa, c'est petite fille maman, papa. Donc là nous créons liste définition. OK. Donc pas oublier que si nous ca juste retourner là, premièrement nous te créons liste non ordonnée. Nous te créons liste non ordonnée. Deuxièmement nous créons liste ordonnée. Troisièmement, nous créer les listes définition voilà. OK. Donc nous pas oublier dans vidéo ça nous apprendre faire trois bagages. Créons liste non ordonnée, une liste ordonnée et puis une liste définition. OK. Donc et pas oublier que et si vous pouvez abonner avec et si vous pouvez abonner avec channel là, avec chaîne YouTube là, abonner avec lui et si et nous gain site web nous qui les nous gon plateforme pour capable apprendre capable apprendre gratis qui les apprendre gratis donc vous capable visiter sur apprendregratis.com pour capable apprendre un bon bagage programmation et graphic design et comment pour faire l'argent sur internet un bon bagage que capable utiliser et nous gain application nous qui disponible sur Android tout que capable utiliser pour gain accès direct avec plateforme nous pour capable apprendre technologie en créole. Pas oublier partager vidéo ça pour capable aider plus jeunes, plus monde qui envie apprendre technologie et apprendre. OK. Donc et partager sur Facebook et Twitter, WhatsApp, partager au tout côté pour capable arriver plus loin pour capable aider jeunes apprendre technologie. OK. Donc bon bagaille et continue frapper c'est bon ça ca avancer dans domaine là. Chaque jour frapper ou bien chaque temps guet en frapper. OK. Donc bon bagaille, à bientôt.